son retour en championnat de France après une année sabbatique, le Limousin fait mieux qu'en 2014 avec 77 engagés, dont 3 WRC et 9 R5. Disputé sur 2 jours et comportant 13 spéciales, ce 49e rallye du Limousin, 4e étape sur les 8 cette saison, promet une belle lutte pour la victoire. Les favoris désignés sont à bord de leur WRC, le Normand Eric Brunson et le Stéphanois David Salanon. Moi j'adore le Limousin, ce sera ma 3e participation. On avait fait une très belle 3e place en 2014 et une belle 2e place en 2007 avec la 307. Donc voilà, essayer de continuer sur cette lancée. Bon, j'aimerais bien faire un rallye enfin sans problème. Malheureusement ça commence mal au shakedown, j'ai fait une petite touchette qui m'a un petit peu perturbé hier. Et puis voilà, il va falloir que je prenne confiance et puis retrouver mes marques. Bon, on reste sur 2 victoires consécutives et puis une 2e place au Touquet, donc on fait un très très bon début de saison. Voilà, si on pouvait continuer sur notre lancée à Limoges, ça serait très bien. En R5, la bataille promet d'être âpre entre Johan Bonato, Sylvain Michel, Pierre Rocher, Frédéric Rénal ou encore Jean-Charles Bobelic. L'objectif de ce week-end, c'est de rester sur la route parce qu'on aura des conditions météo très compliquées, donc il faudra faire les bons choix de pneus. On a la chance d'avoir quand même chez Michelin une bonne gamme de pneus pour vraiment rouler en sécurité et qui s'avère aussi performant. Donc voilà, l'objectif est clair, c'est de marquer le maximum de points ce week-end. Alors, championnat de France, il y a quand même de très très bons pilotes, plus jeunes, plus rapides que moi. Donc nous, on est là pour se faire plaisir, essayer de jouer au mieux dans le trophée Michelin. Et puis les conditions vont être très difficiles donc, en plus. Donc je pense qu'il va falloir être au bout déjà. On sait qu'il y a Sylvain Michel et Johan Bonato qui sont très vite. Je ne sais pas si je pourrais les suivre sur un terrain qui va être très piégeux comme ici, mais j'espère jouer la 3e place en R5. Vendredi 17 juin, les 77 concurrents sont prêts à en découdre sur un parcours composé de 195 km de spécial chronométré, répartis en 13 tronçons. Les pilotes vont devoir se mettre rapidement dans le rythme pour ne pas être distancés d'entrée de jeu. Disputée dans des conditions humides, cette première spéciale voit Eric Brunson signer le scratch 4 secondes devant un trio composé de Salanon, Bonato et Michel. Plus à la peine dans les 2 spéciales suivantes avec notamment une crevaison lente dans le S3 et un problème d'amortisseur dès le S4, le Normand va se reprendre dans les 2 derniers tronçons du jour. 110, encore debout pourri et il ouvre à fond. 50 mètres. Très bien. Droiti, 30 mètres. Gauche, 140, 100 mètres. 110 piqué, temps appel droite dans gauche, 50 glissant piqué avant poteau. Appel droite dans gauche, 50 glissant piqué avant poteau. Ouais, sur droite à fond corde. 70 mètres, attention, droite 80 cordes, referme devant maison. 80 cordes, ferme devant maison. Avec 3 temps scratch, la Ford Fiesta WRC numéro 2 prend les commandes du rallye à l'issue de cette première étape avec 11 secondes 2 d'avance sur David Salanon. Cet après-midi, j'avais pas le choix, il fallait que j'attaque parce que après avoir crevé dans la 3 ce matin, j'étais un petit peu agacé et je me suis dit il faut que j'attaque cet après-midi, donc j'ai attaqué très fort, surtout dans l'avant-dernière et la dernière, où là, j'ai vraiment attaqué brutal, on va dire. Ça s'est passé, je me suis fait plaisir au volant et il y avait une bonne osmose dans l'auto avec Thomas, donc non, c'était chouette. Auteur d'un meilleur temps dans le S4, Salanon n'a pas été en mesure de rivaliser avec son adversaire direct lorsque les conditions de route se sont améliorées. Deuxième à l'issue de la première journée, il reste 7 spéciales aux Stéphanois pour reprendre l'ascendant sur Brunson et ainsi répéter ses victoires obtenues au Lyon-Charbonnières et à Antibes. Allez, Thomas pour milieu, 250 mètres au sous-bois, léger droite à fond, il est bon ce droite à fond, hein. Léger droite à fond et tu as 80 mètres derrière pour un gros frein, droite rapide plus pas corde, 80 mètres, gros frein, droite rapide plus pas corde, 30 mètres derrière au poteau béton, gauche très rapide longée, fini sous-bois, gauche très rapide longée, fini sous-bois, sur droite très rapide longée derrière. 200 mètres au double poteau, gauche très rapide, tenir longé, gauche très rapide, tenir longé, tu as 150 mètres derrière. Nous on avait opté pour les pneus pluie, hein, c'était la loterie. De toute façon, aujourd'hui on pouvait pas avoir tout le temps les bons pneus avec, dans le bon tempo, dans les bonnes spéciales, ça faisait que des averses. Donc ce qu'on fait, on a adapté une situation et puis une cadence et ben, en fonction du grip qu'on avait. Et on a surtout été sur la défensive, je dirais, une bonne partie de la journée.
troisième du général et première, 5 après les deux premières ES, le leader du championnat Sylvain Michel a signé des chronos intéressants à bord de sa Skoda Fabia. Copiloté par Lara Van Est, il effectue un temps scratch dans une S2 typée Limousin, avant d'être victime à son tour d'une crevaison dans le S3, après avoir trop coupé une corde. Sur gauche, léger corde, pour droite sans moins, sur gauche sans, long il est noir aussi. 120 mètres, gauche à fond, et 30 mètres ciel à fond, 100 mètres droite sans, léger tard, droite sans, léger tard, et 60 mètres, droite 110 après, droite 110, 80 mètres gauche à fond, 30 mètres droite à fond pour gauche 105, léger noir, gauche 105, léger noir, 100 mètres, droite 110 moins, léger tard pour jump à fond. Son adversaire en R5, Johan Bonato, en profitait alors pour signer le meilleur chrono et s'emparer de la tête du rallye pour 4 dixièmes devant Michel. Mais le pilote Skoda inversait la tendance dès la boucle de l'après-midi, profitant des soucis de Bonato. Le pilote des Deux Alpes s'est notamment plaint d'une boîte de vitesse trop courte et d'un manque de feeling avec la nouvelle direction assistée de sa DS3 R5. Quand les spéciales sont propres, les temps sont pas trop mal. Quand les spéciales sont dégradées, j'ai un peu de mal quoi, je suis pas en confiance avec la voiture, j'ai pas un bon feeling avec mes roues avant et j'arrive pas à me lâcher. A l'issue de la première journée, Sylvain Michel et Johan Bonato ne sont séparés que de 3 secondes 4 à l'avantage de Michel, mais comptent plus de 20 secondes de retard sur Brunson après le S6. Dans le trophée Michelin, la victoire se joue entre Frédéric Reynal, Pierre Rocher et Fabiano Lofiego. Malgré une pénalité de 10 secondes pour un départ anticipé dans le S3, le pilote de la Ford numéro 6 termine la journée en 5e position du général, avec plus de 12 secondes de marge sur le pilote de la Skoda numéro 4 du team FJ, Pierre Rocher. On est content d'avoir mis les bons pneus cet après-midi parce que ce matin c'était un peu la galère avec les pneus qui étaient beaucoup trop tendres. Du coup en plus on a perdu un peu le rythme, ça a été dur de reprendre le rythme cet après-midi mais c'est revenu à la fin là donc ça va mieux. Ça promet une belle bagarre avec Fred Reynal demain. De retour en championnat de France, Fabiano Lofiego est 3e du trophée Michelin à 18 secondes de Reynal. Présent sur une Opel Adam engagée en R2, Cédric Robert, vainqueur de l'épreuve en 2002, était leader de sa classe et 16e du général avant le S6, mais le Stéphanois a malheureusement dû renoncer sur problème mécanique. Autre victime de cette première journée, Eric Moffret, 5e après le S1. Le pilote de la Peugeot 208 T16 est contraint à l'abandon sur sortie de route dès le S2. Cette épreuve du Limousin était une nouvelle fois l'occasion de voir évoluer les pilotes prometteurs du championnat de France des rallyes juniors Citroën Racing Trophy Junior. Avec un plateau réduit, 10 équipages seulement, la lutte entre le trio Diffente, Jamet et Astier était tout l'enjeu de cette manche. Après son erreur à Lyon, Loïc Astier n'avait plus de joker, il se devait d'attaquer tout en marquant de gros points en vue du championnat. Peut-être trop conservateur et auteur d'un tête-à-queue dans le S3, Astier terminait 3e de la première journée à plus d'une minute des leaders. Avec 3 meilleurs temps chacun, Diffente et Jamet ont eux dégoûté leurs adversaires. On retrouve le pilote de la Citroën numéro 37 en caméra embarquée. 160 de long, fini frein pour gauche 90. Et 100 mètres. Gauche 160 bref. Gauche 160 bref et droite 160 bref. 160 bref et droite 160 bref. Et 100 mètres derrière. 100 mètres. Frein au muret pour gauche 140, ouvre à fond. Frein au muret pour gauche 140, ouvre à fond. Lancé dans un superbe duel, depuis le départ, les Citroën 37 et 38 concluaient la première étape avec seulement 3 secondes d'écart à la faveur de Jérémy Jamet. Le lendemain, coup de théâtre dès le S8 avec une sortie de route pour Diffente. Alors qu'il avait pour objectif de repartir en tête du classement général, sans griller de joker, le pilote de la DS3 numéro 37 voyait Jérémy Jamet prendre la tête du classement. Malgré une petite chaleur dans un gauche serré, le leader du championnat conservait plus de 40 secondes d'avance sur un Loïc Astier moins à l'aise dans des conditions changeantes. Mais dans l'avant-dernier chrono, c'était au tour de Jamet de partir à la faute. Astier saisissait donc une chance inespérée de refaire son retard au championnat. Le pilote varois s'imposait pour la deuxième fois de la saison après le Touquet et reprenait ainsi la tête du classement général provisoire.
Deuxième position pour Antoine Margeli et Delphine Laval, auteur d'un rallye solide. Le podium est complété par Boris Bazalgette sur la DS3 numéro 45 à 2 minutes 04 des vainqueurs. Je savais très bien aujourd'hui, ce matin, que je ne pouvais pas gagner à la régulière contre Romain et Jérémy. Malheureusement, aujourd'hui, ils font deux erreurs. Ça me permet de gagner aujourd'hui. À la régulière, comme je le dis, je ne pouvais pas gagner. J'étais moins vite qu'eux. Avec chacun un d'abandon à leur actif, Astier, Diffant et Jamais repartent du Limousin avec respectivement 82, 78 et 75 points. L'heure de la trêve va désormais sonner pour les concurrents du Citroën Racing Trophy Junior qui se retrouveront les 2 et 3 septembre prochains pour le rallye du Mont-Blanc, avant-dernière manche de la saison. Deuxième et dernière journée de compétition dans ce 49e rallye du Limousin. Les conditions de route sont meilleures en ce samedi 18 juin. Les pilotes WRC devraient être à leur avantage. Et c'est le cas dans la boucle matinale puisque Brunson, accompagné pour la première fois de Thomas Roux, signe le grand chelem avec 3 scratchs consécutifs. Large leader, le Normand devance David Salanon de 32 secondes 3. 30 mètres droitier, 80 mètres, attention, frein, droite 40, pas corde. 80 mètres, attention, frein, droite 40, pas corde. 20 mètres. Droitier, 40 mètres arrivé. Après Brunson et Michel Laveille, c'est au tour de David Salanon d'être victime d'une crevaison après un passage sur une pierre dans le S8. A l'issue de la première boucle du jour, l'avantage du Stéphanois sur Sylvain Michel est réduit à 4 secondes 3. Le leader du championnat est troisième, juste devant Johan Bonato. Le pilote CHL Sport Auto a opté pour des pneus plus tendres que son adversaire ce matin. Il est repoussé à 8 secondes 5 après le S9. Gauche à fond, pour droite 155, frein pour étoile, gauche 130, plus. 155 pour étoile, gauche 130, plus. 60 mètres, étoile, droite ferme 140, moins. Étoile, droite ferme 140, moins. Et bosse à fond, tout droit, 150 mètres. Au panneau, gauche, étoile, ferme 130, plus tard. Étoile, gauche, ferme 130, plus tard, 80 mètres. Gauche 140, étoile. Et 100 mètres, attention, très glissant. Droite 140, moins, corde très sale. Dans le trophée Michelin, Frédéric Rénal est intouchable, 3e chrono dans le S7, puis 4e dans le S9. Le pilote de la Fiesta numéro 6 est 5e du classement général. 20 secondes derrière le leader du trophée, Pierre Rocher s'accroche. À 4 spéciales de l'arrivée, il est débarrassé de Lofiego, victime d'une sortie de route dans le S8. Retour à l'assistance bien méritée pour tous les concurrents. Les mécaniciens procèdent à une rapide révision des voitures, alors que les pilotes consultent leurs ingénieurs afin d'entériner leur choix de pneus pour la dernière boucle du jour. Pendant ce temps, les copilotes peaufinent leurs notes avant de disputer les 4 dernières spéciales du rallye. Outre le championnat de France junior, un autre trophée était à suivre lors de ce rallye du Limousin, celui des Clio R3T. 9 équipages étaient inscrits et la lutte a été une nouvelle fois au rendez-vous. Leader dès la première spéciale, Charles Martin adoptait un rythme trop prudent dans les deux suivantes et laissait les commandes du trophée à Philippe Corneau. Mais le pilote de la Renault Clio numéro 19 n'allait pas plus loin que le S5, sortie de route et abandon pour le Français. Charles Martin en profitait donc pour reprendre les commandes du trophée Clio R3T France avec moins de 12 secondes d'avance sur l'équipage composé de Pascal et Caroline Bérard. En difficulté en début d'épreuve, le pilote de la Clio numéro 20 concluait la journée avec un meilleur temps dans le S6. La troisième place revenait au jeune Hollandais Kevin Van Deyn. Les trois hommes de tête étaient séparés de seulement 21 secondes une avant de disputer la seconde journée de compétition. Déjà très envers Antibes, l'expansionnaire du Peugeot Rallye Academy, Charles Martin partait du bon pied dès le lendemain et résistait à la pression exercée par Van Deyn. Droite 92, start, pas corde dans le droite. 92, start, pas corde dans gauche, droite 32, épingle, étroit. Gauche, droite 32, épingle, étroit. Sur un gauche 62, il ouvre à fond lent pour 300 mètres. Gauche 152. Gauche 152, 200 mètres. Auteur d'un tête-à-queue dans le S8, le néerlandais Van Deyn donnait tout ce qu'il avait pour revenir sur son adversaire, mais devait finalement se contenter de la deuxième position. Ralenti par une durite de turbo débranchée la veille, Pascal Bérard complétait le trio de tête de cette épreuve limousine.
Moins d'un mois après son succès obtenu à Antibes, Charles Martin était ravi de terminer sur la plus haute marche du podium pour la deuxième fois consécutive. Ça a été très très long nerveusement, pas faire d'erreur dans des conditions très difficiles, c'était très fatigant. Et puis à la fin, on a dû attaquer pour garder la première place. Donc on a fini sur une belle performance et on a pris les points du performer, on fait le carton plein. On ne pouvait pas espérer mieux. Grâce à cette victoire, le francilien augmente son avance en tête du trophée Clio R3T avant le rallye du Rouergue disputé du 7 au 9 juillet prochain. Allez, 26e du classement en finale, les Drômois Jérôme et Sandrine Aymar s'imposent en groupe N face à l'autre Subaru Impreza STI, piloté par Jean-Luc Debove. Dans la classe R3, le duel entre Jean-Sébastien Vigion et Manu Guigou a tourné à l'avantage du dernier cité. Le pilote de la Renault Clio RS numéro 14 termine 9e avec 42 secondes d'avance sur Vigion. Place finale pour Patrick Rouillard et Guillaume Zazurka à bord de leur Porsche 997 GT3 Cup, 27 secondes derrière la Ford Fiesta RS de Jean-Charles Bobelic. Le local de l'étape qui participe ce week-end à son 200e rallye termine 3e du classement promotion Michelin après un week-end sans faute. Gauche 100 millions, 50 mètres, en maison, changement gauche 40, gravier. Changement gauche 40, gravier. 50 mètres à l'arrêt au coin, gauche 20, très étroit. À l'arrêt au coin, gauche 20, très étroit. Sur droite 40. 30 mètres droite à fond. 80 mètres droite, 120 millions, corde très sale. Droite 120 millions, corde très sale. Corde très sale, 100 mètres. Droite 130 cours. Droite 130 cours pour gauche 130. Pierre Rocher aura tout tenté pour revenir sur Frédéric Reynal, mais la Skoda Fabia numéro 4 va échouer à moins d'une seconde de la victoire dans le trophée Michelin. Malgré un choix de pneus inadapté aux conditions de route dans la dernière boucle, Frédéric Reynal sauve in extremis la 5e place du classement général. Il s'impose du même coup dans le trophée Michelin réservé aux pilotes amateurs pour la première fois de sa carrière. On a fait le mauvais choix de pneus cet après-midi, j'ai voulu assurer en mettant des pneus tendres et notre avance a fondu comme neige au soleil quoi. Et du coup on s'est retrouvé avec une seconde de deux pour la petite spéciale en ville. Bon, on a roulé propre et on a réussi à rester devant quoi, pour une seconde, donc on est très satisfait quoi. Au volant d'une DS3 R5 dotée des dernières évolutions, Johan Bonato aura tout donné. Sandra plus sur gauche à fond, 50 mètres. Gauche 130 plus. Le pilote des Deux Alpes s'incline finalement pour une douzaine de secondes face à Sylvain Michel et termine au pied du podium. Troisième au Limousin, le pilote de la Skoda numéro 3, accompagné par Lara Van Est, termine une nouvelle fois en tête de la classe R5 et s'affirme course après course comme l'équipage favori à la succession de Jean-Marie Cuoch. Avec un quatrième podium en 4 rallyes, le Savoyard augmente même son avance au classement général. C'était une très belle bagarre avec Johan toute l'après-midi et en tout cas voilà, on a tous roulé sur de très beaux rythmes durant tout le week-end et voilà, je félicite vraiment Johan, David et Eric pour leur course. Ralenti par deux crevaisons dans la première boucle du jour, David Salanon s'est battu comme un beau diable pour conserver sa deuxième place finale. Le Stéphanois termine cette épreuve avec 31 secondes 6 de retard sur le vainqueur du jour. Et 80 mètres, Thomas en léger gauche, très rapide, tenir et 150 mètres, allez go, carrefour, gros frein, gauche, tirez bien corde. 150 mètres, carrefour, gros frein, gauche, tirez bien corde. Et 50 mètres. Au double poteau, léger droite et léger gauche, fond maison, c'est bon ici. Léger gauche, fond maison, 200 mètres derrière, à la barrière, droite très très rapide, sur léger gauche à fond, bien corde, droite très très rapide, sur léger gauche à fond, bien cordé, 150 mètres derrière, 150 mètres, léger gauche à fond en dôme, 150 mètres derrière, léger gauche à fond en dôme, 40 mètres, droite très très rapide, sur gauche très très rapide, sur léger droite à fond derrière, sur léger droite à fond derrière, et 100 mètres, au double poteau, gauche longé, très très rapide de tenir, et 50 mètres, mur, petit frein, droite longé. Peu à l'aise à Antibes, le mois dernier, Eric Brunson a retrouvé un rythme digne de ce nom ce week-end.
Le Normand, accompagné pour la première fois de Thomas Roux, réalise une journée parfaite. Gravier, 150 mètres. 150 mètres arrivés. C'est fait, victoire d'Éric Brunson au Limousin, il succède à Julien Morin et décroche ainsi son sixième succès en championnat de France des rallyes. Enfin une victoire autre que le rallye du Touquet, donc une sixième victoire en championnat de France ici. Je suis super heureux, en plus c'est vraiment une victoire qu'on a été chercher. On a eu un début de course, surtout même déjà avant la course avec un mauvais shakedown où je tape un rocher. Donc déjà pour se mettre en confiance pour la course, c'était vraiment pas ça. Et après, j'ai eu la chance de ne pas crever parce que dans la boue, il y avait tellement de boue et un endroit où on aurait pu taper une pierre, mais j'ai essayé de rester au milieu de la route. Ça a été un Limousin compliqué pour nous avec ces deux doubles crevaisons. On n'a pas été assez tranchant par rapport aux dernières sorties comme à Antibes et au Lyon-Charbot. Si on veut retenir vraiment la perf, on finit deux derrière Eric qui était lui très tranchant et puis qui a vraiment mérité sa victoire. Je suis super heureux, surtout pour mon équipe. L'équipe LAD qui a super bossé tout le week-end. Mon copilote, qui était le copilote qui n'était pas prévu encore lundi soir. Il a découvert ça lundi soir qu'il ferait le rallye dans une WRC avec moi au Limousin. Donc il a fait un super boulot. Je suis vraiment très content de ce qu'il a pu faire ce week-end. Et il a très bien géré. Et chapeau à lui. Sur le podium, Éric Brunson et Thomas Roux sont ravis. Confirmation des résultats avec la victoire de la Ford Fiesta numéro 2 devant l'autre Ford WRC de David Salanon et Laurent Maga. Troisième place pour Sylvain Michel et Lara Van Est, alors que Frédéric Rénal, cinquième, s'impose dans le trophée Michelin. À la mi-saison, Sylvain Michel conforte sa première place au championnat. Le pilote Skoda fait le trou au Limousin et compte désormais 22 points d'avance sur David Salanon et 54 sur Éric Brunson, remonté troisième après sa victoire. Pierre Rocher conserve lui la tête du classement promotion avec 90,5. Prochaine manche du championnat de France, le rallye du Rouergue, les 8 et 9 juillet 2016.